Bonjour et bienvenue pour cette session de jeu d'un jeu de ma collection, avec pour cet épisode un jeu pour les hommes qui aiment les enfants, Moonwalker avec Michael Jackson. Bon, je suis mauvaise langue, tout le monde sait qu'il a été blanchi. Pour ceux qui ne se sont pas encore désabonnés ou mis un pouce rouge, on part tout de suite en session de jeu sur Michael Jackson Moonwalker sur Sega Master System. Je vais pas mentir, je suis pas fan de Michael Jackson, je suis pas fan du personnage et j'ai peur de pas être fan du jeu vidéo. Eh bien, je vais découvrir ça avec vous. On démarre tout de suite et on va voir un petit peu ce qu'il faut faire. Oh, je me transforme en voiture, d'accord. Oui, c'est vrai que le film Moonwalker a été un petit peu psychédélique et complètement barré. Moonwalker, un film pas comme les autres. J'aurais tendance à dire à chier, mais ça, je vais encore me faire des ennemis. Je peux sauter, je peux... frapper, bien entendu. Oh, le lever de jambe, on dirait moi. Regardez, on dirait moi sur ma vidéo de Kung Fu Master. Et oui, on dirait bien les ennemis de Master of Darkness que j'avais testé en live sur la chaîne. Bon, c'est pas mal. C'est hyper... Ça a l'air d'être hyper contrôlable. Franchement, déjà. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'en ai aucune idée. Ah, je me suis pris un coup de couteau. Ça, c'est méchant. Alors, j'ai la documentation. Bien entendu, une documentation, ça sert à ne pas être lu. Et il me semble... est-ce que je peux aller dans la porte? Ah, je peux aller dans la porte. Ah oui, il manque le petit crélé. Oh, petite fille! Oh, tu étais juste... Pardon. Tu étais juste bien placée. J'espère que parmi vous, il n'y a pas trop de fans de Michael Jackson. Hein. Je suis désolé. Hein. Je peux pas m'en empêcher. Hein. C'est être médisant. Mais je m'en fous! Alors, on va aller ouvrir. Ah, encore un coup de couteau, mais j'ai plein d'énergie. Ah, encore une petite fille! Mais je pensais qu'il préférait plutôt les petits garçons. Ça a été fait exprès, en fait. Oh là! Le grand méchant! Je n'aime pas les... Je n'aime pas les grands méchants. Alors, est-ce que je vais me retaper un grand méchant? Non! Deuxième niveau! C'est quoi ce machin? Tu ne m'attraperas jamais. On rouvre de nouveau les portes. Et classe, hein, moi j'aimerais bien. Hein, je vais ouvrir les portes comme ça chez moi. Ça va être super classe. Franchement, j'entends la musique de loin pour que vous n'ayez pas le retour. Ça n'a pas l'air d'être extraordinaire. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule voix. Alors, je me trompe peut-être. Je verrai ça au montage. C'est un petit peu... Ah, flûte! C'est un petit peu répétitif. On ne peut rien faire, là. Voilà. C'est super. Donc, il n'y a aucun indice qui nous dit qu'il y a un truc qui va nous tomber sur le coin de la gueule. Ah, j'ai récupéré de l'énergie, c'est déjà ça. C'est passionnant, ce jeu. Was that sarcasm? Finalement, il y a peut-être des jeux que j'ai glissés une fois dans la console, et il y a une raison pourquoi je ne les ai jamais reglissés. Es-tu un Wookiee? Es-tu un Wookiee, Annie? Hey, comment j'ai fait? Wouhou! Avec du moonwalk, comment j'ai fait le moonwalk? Ouais! Ça claque! Allez, encore un petit coup de moonwalk! Il n'y a que ça de bien, en fait, dans le jeu. Et voilà. J'ai encore 2 points d'énergie, 2 portes. Bon, je pense que je vais pas crever, là. Ça doit être la dernière à sauver. Et j'ai réussi. C'est encore la même chose. Je crois que je vais pas insister, parce que, sincèrement... c'est chiant. C'est super chiant, quoi. En plus, la musique a l'air d'être hyper répétitive. Est-ce que tu es un Wookiee, Annie? Je sais, j'ai déjà fait la vanne, mais j'en ai plus d'autres en stock. Quoi, j'ai fait la vanne sur les pédophiles, sur les petites filles, sur le blanchiment, sur es-tu un Wookiee, Annie? Plus qu'à faire une blague sur le Jean Abili, et puis j'ai terminé, quoi. Hein. J'ai fini, là. J'ai plus rien en stock, hein. Désolé. Bon, écoutez, je vais être clair. Je vais arrêter cette session de jeu-là. Je ne m'amuse pas, mais vraiment pas. L'animation est top, c'est cool de pouvoir faire du moonwalk. En fait, un simulateur... Oh oui, en plus, droite-gauche, comme... Ah bah non, là, en avant, merde. Il a perdu le sens du moonwalk. C'est nul. Bon, désolé. Voilà, c'était une session de jeu rapide sur Michael Jackson Moonwalker. Écoutez, je pense qu'il va se retrouver sur un marché aux puces dans pas très longtemps, celui-là. Hein. Voilà. Ça me reste plus qu'à vous remercier d'être resté jusqu'au bout et d'avoir supporté mes vannes pourries. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt sur Old School is Beautiful. Ciao, bye bye.